I don't have much time. Ethan trusted you. I... I received the call 10:36 this morning. Any idea who this man is? Why he called you? No, sir. Where is former Agent Thomas? We're not sure. It's been 11 months since his suspension. He was cleared of those charges. Right. Nevertheless, he resigned from the agency shortly after and basically disappeared. Probably passed out in some gutter. Unlikely. A man like that doesn't just lie down quietly. Okay. Let's find Mr. Thomas and bring him in. For you. Says his name's Malcolm Van Horn. Right, but if he calls again, I'm hanging up. It's a fucking answering machine. What a stinking drunk he is. That's me, Ethan Thomas. Drunk, tired, and pissed off. Why? Because this damn city's too fucking blind to see what's killing them. But I can. I see the unspeakable. It's out there. I have a feeling we're about to get better acquainted. Voilà, très beau le programme de Condemned 2. Donc sous-titré Bloodshot, vous avez vu un petit peu de violence, de la musique rock alternative, très mauvaise. Attention, le pape vous le dira, c'est interdit ça, faut pas en écouter, sinon après vous êtes violent, vous tapez des gens dans les bars. Voilà, donc oui, et ben, j'ai décidé de me faire un petit let's play sur Condemned 2, parce que je me souviens qu'à l'époque, je l'avais surkiffé de ouf. Voilà, c'est comme ça qu'on dit, le pape aussi, il dit comme ça. Vraiment un jeu qui était vraiment très bien dans son gameplay, mais surtout dans son ambiance en fait, et pour cause en fait, c'est les gars qui ont fait les Fears, par exemple, qui ont développé ça, donc Monolith. Et comme je disais, le gameplay est très cool parce que il y a un impact qu'on ressent quand on donne des coups qui n'a pas son pareil dans d'autres jeux vidéo, puisque essentiellement on se bat au corps à corps. Bonsoir à tous, donc j'espère que vous allez bien. Oui, dessoulé, on joue en espèce de clodo dégueulasse avec des mouches partout et des trous dans son t-shirt, c'est comme ça que ça se passe. J'espère que ça va bien. La caméra, Manu. Oui, pourquoi il n'y a pas la caméra? Tiens. Ah bah oui, très bien, ça c'est des nouveautés. Joli cadre, eh. Et le pire, c'est que j'arrive même pas à faire revenir la cam. Qu'est-ce que tu nous fais? Bon, Véro, va falloir arrêter les conversations en webcam avant le live, parce qu'après, ça fait déconner mon truc. J'ai pas des conneries en plus. Bon, quoi... Je peux pas, genre, rafraîchir mon truc. Ah, ça y est, webcam activé. Oh mon dieu. J'avais une photo de Stéphane Bern, j'ai failli. Ça aurait été ça, j'aurais mis ma petite photo de Stéphane Bern. Voilà, ça y est, maintenant vous me voyez, et en plus de m'entendre et tout. La 4K sur les lives de Bahama. Oui, la 4K pour moi, c'est ça. Excuse-toi, mais non, pas du tout, c'est vrai ce que j'ai dit. Donc, bonsoir à tous, bonsoir Mathilde Véro, bien sûr, je lui dois un bonjour en premier parce que... Elle va se sentir vexée, sinon elle va me frapper quand elle me verra. Donc bonsoir Karian, bonsoir Kazen, bonsoir Klex qui est là. En fait, il boudait pas. Il boudait pas. C'est son PC qui le boudait. Il était malheureux tout seul dans son coin. Il voulait revenir, mais il pouvait pas.
Il aurait pu envoyer un petit SMS, ce petit enculé. Bonsoir Amazing Aka, j'espère que ça va bien. Bonsoir, j'ai vu tout à l'heure Tetsu qui est là, je crois. Et bonsoir Simon, I'm back. Mais t'étais où? Donc, j'espère que mon choix de jeu... Et bonsoir Aitro, je ne t'avais pas vu, excuse-moi. J'espère que mon choix de jeu sur Condemned va vous plaire. Parce que ça tue. Et bonsoir Taïga. C'est mieux que ta voix off sous mon bureau. T'es aussi enculé. Après, je pensais que c'était toi qui me boudais. Attends, que veux-tu? Tu venais plus sur mes lives, tu me parlais plus, tu m'envoyais plus de SMS, plus de mots d'amour, plus de petits cœurs. J'y ai cru. Donc, réaction du joueur. Les réactions du joueur sont l'occasion de vous exprimer. Tenez-vous toujours prêt car cela peut arriver à tout moment. Ah, c'est ce qu'on appelle des QTE, je pense, dans notre jargon à nous. Alors, répondre. Les réactions du joueur. Je sais pas ce qu'il lui a dit, j'ai pas écouté. Mais c'est génial, je veux ce genre de réaction. Alors, pour un jeu sorti en 2008, c'est même encore plutôt regardable. C'est sorti sur PS3, Xbox 360, ça a évité le PC, je crois. Ouais, c'est pas sorti sur PC ce truc-là. Et donc voilà, mon meilleur copain. Je suis un clodo, donc... mes copains, c'est des clodos. Oh, lordou. Comment est-ce qu'il va, celui-là? Mais on dirait que Klex, en fait, il était mort et puis qu'il est revenu à la vie. MJ, Manu joue à un jeu vidéo, des types cool. Et bien, en fait, c'est fait exprès. Après, Kuon, qui était un jeu sympa, hein, Kuon. Mais qui... Dis bonsoir Uni. Elle est là Uni. Oh pardon Uni. Bonsoir Mathieu, t'as l'unicorne. Voilà, elle est jolie du télicorne. Oui, j'en rajoute parce qu'elle le mérite quand même, parce que je l'ai oublié. Jolie, elle est gentille, elle est toute sage. Et oui, parce qu'en fait, après Kuon, et surtout, putain, après Still Life, où je me suis fait chier, mais c'est un truc de fou. Là au moins, c'est un jeu dont je connais le principe, je sais que c'est un excellent jeu, tout ça. Donc là, il n'y a pas de problème, normalement. Il devrait faire son taf. Allez, c'est parti, on va suivre notre copain Jojo le Clodo. Ah, je peux glisser. Regardez, il le fait avec ses petites fesses. Il glisse sur la cuisinière, je sais pas. Bonsoir, Appa. Comment ça va? Ça doit être ça. Voilà, la cuisinière qui est toute froide. Attention. Alors, nous y voilà. Répondre. Dégage de là. Allez, moi, je sais les ouvrir les portes. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et notre personnage est tout sauf subtil. Hein. De toute façon, on va le remarquer tout de suite. Là, c'est ce qui fait office de tuto un petit peu. Et tout de suite, en fait, ça se passe pas super bien avec... avec les... Les clodos du coin. Alors, regardez celui-là comme il est dégueulasse. On l'a vu dans le bar en fait. Et ça va être un personnage très important. Regardez, écoutez sa voix et tout ça. Les gars, c'est quoi ton image? Mais c'est Tora Tora. C'est l'image de... Bah, et Taiga Isaka. Alors voilà, oui c'est vrai, en fait c'est très particulier... C'est très particulier le système de combat de ce jeu. Une gâchette. Oh putain. Une gâchette, un coup. Je crois que les deux en même temps, on contre en fait. Alors, il va falloir que je reprenne des habitudes. Voilà, bim. C'est bon? Alors, je crois que je peux aussi charger mes coups. Et c'est vrai que putain, on le ressent bien, on ressent bien les coups que se prennent, les petits punchs là que se prennent les clodos dans la gueule. Alors, bloqué par un... Ouais, ça, je sais, j'étais au courant, je... Merci. Regardez ces poils. Bim. Il me semble qu'il y a une sorte de finish. Quand on tape bien, qu'il y a un truc qui est possible de faire, je sais plus. Mais de toute façon, le taper à main nue, ça sert un peu à rien. Le mieux, c'est quand t'as une arme, genre une batte à pointe. Bon, là, j'ai l'impression qu'en fait, comme c'est le tuto, parer. Je dois parer. Vas-y, tape. Tape. Mais tape, mais t'as rien, là. T'as rien. Ah, allez, tape. Après, on va aller chercher un boulot. Allez. Allez, tiens. Oh, il encaisse, hein. Il encaisse bien. Bien, maintenant, battez l'ennemi. Ah, j'ai le droit. Ça y est, merci.
Oui, non, mais là, c'est... il l'a mérité. Oh! Quoi? C'est un bug! Il a perdu sa tête! C'est pas possible. Double impact. Faites deux directs en alternance, puis attaquer lorsque l'écran... C'est un combo sera annulé si vous recevez des dégâts durant la séquence, ouais. Mais... j'ai décapité? Non, je crois que c'est un bug. Oh! Parce que bon, je sais, mon personnage est un bourrin, mais... Ah, ça y est, c'est ça! Combo contre parade. Parer, puis faites un combo rapide. Faites une attaque combo. Alors... oh putain, il y a un mec qui est derrière, non? Bon, d'accord, il faut que je le fasse plusieurs fois. J'imagine que c'est ça. Allez, vas-y, tape, tape, tape! Ta fiole! J'ai l'impression que ça fait plus les combos x3, là. Il y a un mec derrière moi ou pas? Mais non, en fait. Ah, ça y est, combo contre parade, c'est ça. Donc en gros, quand je vois qu'il amorce son coup, hop, cheville de parade. Alors, combat rapproché, ah ça c'est cool. La planche à clous, quoi, comme les fakirs. Fonctionne de la même manière que les combats au point. Armez-vous d'un madrig, trouvez dans une poubelle et battez les ennemis. Évidemment, les armes se brisent après usage. Une poubelle. Ah, bah voilà. Alors attends, hop. D'accord, je peux taper à gauche ou à droite. Tiens, allez, tiens. Et je crois que, bah pareil, je peux me... je peux faire ma garde avec ça, quoi. Ah putain, il m'a brisé mon arme. Attends, je vais aller rechercher un autre, je crois qu'il y en avait un autre. Hop. Et on remarque que... oh putain. On remarque que... effectue un coup mortel. On remarque que j'ai réussi à ne décapiter aucun autre ennemi. Alors que cette fois-ci, j'ai quand même une putain de planche à clous. Voilà, ils ont tous leur tête, hein. Ils ont leur tête. Ah, là, c'est notre copain. Il est terrifiant, ce mec, en fait. Chacune de ses interventions est assez marquante, en réalité. Et ça part de chocolatine, de coucou chocolat. Coucou chocolat, je pense que c'est encore différent en fait. Pain au chocolatine. Comme ça, tout le monde est content. Ah. Tetsu, c'est la neutralité. Alors, est-ce que je peux ramasser? J'ai mis un truc là. Ma poubelle peut-être? Je sais pas. Ah, mais si, ramasser madrier. Madrier boulonné! Oh. Ah, attends. Ouais, j'ai des stats en fait. Ah oui, sauf que voilà, celui-là il a des conditions plus, en gros je vais pouvoir l'utiliser plus longtemps, alors que l'autre commence à être usé, et donc si je tape encore une fois, il va se briser directement, autant prendre celui qui est le meilleur condition. Ah, c'est pas grave, c'est un petit courant d'air. Je crois qu'il y a un truc à faire avec les télés également, oui voilà. Reportage, les téléviseurs, les radios munis d'antennes sont une source vitale d'informations. Saisissez l'antenne, puis réglez la réception à l'aide du R. Réglons la réception à l'aide du R. On va saisir cette antenne, voilà. Oh, regardez, à pleine main. Il la caresse, regardez. Oh, je sais que toi... c'est comme ça. Oh. Attends, attends, mais j'arrive pas à lire. J'arrive pas à lire. T'es tout brouillé. Ah, ça y est. Voilà. Et de temps en temps, voilà, c'est des petits indices, en fait, qui nous sont donnés sur le jeu. On a rencontré l'homme poulpe. celui qui a été élevé par les poulpes dans les égouts. Qu'est-ce que je fais? Il y a du vent, on dirait. Il branle la télé. Il a vomi. Mais c'est un poulpe. Ah, mais j'ai une petite torche, tiens. Hein. Je vais allumer ma petite torche. Moi-même. On voit l'ombre de mon personnage. Est-ce qu'on peut courir? Ah oui. Je crois d'ailleurs que quand on court et qu'on donne un coup, l'autre s'en souvient toute sa vie, quoi. Alors, mais je peux... comment je fais pour passer, là?
Ça? Ah oui, ouvrir la porte. Je sais pas, j'ai eu l'impression que la porte était faisait partie du décor, en fait. Alors, on va fermer la porte, parce qu'on a vu qu'il y avait du courant d'air, quand même. Alors, gain électrique. Ça vaut quoi, ça? Voilà. Alors là, c'est intéressant. Ça fait plus de dégâts, par contre, c'est plus lent. Et il y a moins de portée. Alors, je peux l'arracher, la prendre. Hein. Allez, effectivement, elle est un tout petit peu plus courte. Je vais la garder, parce que ça fait plus de dégâts, donc c'est cool. Sinon... Oh, bah voilà. Ah bah là, c'est parfait. Plus de portée, dégâts. Encore plus que la gain électrique. Le tuyau, c'est décidément la bonne affaire. Alors là, des télés, il y en a de partout, si je veux les branler. Je peux prendre ça, là? Non. Je vais pas me battre avec des tables. C'était quoi, ça? Ah! Alors, j'ai joué à ce jeu-là il y a très longtemps. En fait, à sa sortie. Donc, j'ai dit en 2008. Il se trouve que j'oublie les jeux que j'ai joués 2 mois après. Alors, là, j'ai complètement aucun souvenir. Et donc, oui, c'est quasiment une découverte, en fait. Quelque chose en bas? Oh, putain! Ah. Ah oui, on peut lancer les trucs, c'est vrai. Mais il faut pas que je fasse ça parce que je crois que ça les brise. Il y a une télé là. Allez, on va saisir l'antenne. Je sais pas ce que ça va m'apprendre. C'est mon tuyau, arrête. Il est fin ton tuyau, dis-moi. Ah, ça y est. Je sais pas, ça doit être... Ça doit être le dernier problème, programme à la mode sur TF1 parce que ça a l'air tellement pourrable. Je remarque juste, parce que j'ai fait des petites recherches juste avant, histoire d'habiller Tibias, que le personnage qui était à l'écran a le même t-shirt que notre perso. Il s'appelle Ethan Thomas. Et merde, mais non, mais arrête de balancer ton truc, bordel! J'en ai besoin, surtout que je crois que je suis pas tout seul ici. Il est où, lui? Coucou! Bim! Alors! Ah putain, mais. Et lui, il a quoi quand même? Émetteur sonique. Ces appareils mystérieux sont disséminés dans la ville. On ne sait pas à quoi ils servent, mais leur apparition a coïncidé avec une augmentation constante de la violence. Ah bah, c'est comme les jeux vidéo en fait. Les jeux vidéo, ça rend violent, bah. Les émetteurs soniques, c'est la même chose. C'est comme les jeux vidéo, faudrait arrêter d'en faire en fait. Bon. Bye Lordou! Très bonne soirée! Oh, il y a Soumis! Non mais d'où Lord, c'est un Soumis? Alors est-ce que je peux me battre avec du déodorant? Je sais pas! Ça doit pas faire... Ça va faire du bien dans les yeux d'un mec. Bon, on va peut-être arrêter de saisir toutes les antennes qu'on voit parce que ça va devenir relou. Pied de biche! Ah, le fameux... Oula, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais... Ah, mais c'est ça! Bim! Voilà! Continue de pourchasser Van Horn. Oup. Mais t'arrêtes. Tiens. Tiens. Ah putain. Mon truc s'est brisé. Voilà, combo double impact. Ah. Il est pas mort. Mais... Il s'est barré comme un gros lâche. Qu'est-ce qu'il fait? Il a été chercher une télé, il va revenir avec. Allez, ramassez gain électrique. Non, tu meurs, tu fais pas chier, s'il te plaît. Mais c'est là d'où je venais tout à l'heure, non? Il y a la télé et tout. Bah ouais. Non, sauf que ça a ouvert la porte que t'es là. Attendez, je reviens pas en arrière là. Attends, sauvegarde en cours. Non. Non, non, du coup c'est bon. C'est la sauvegarde. Putain, ça me fait peur, c'est quoi? Quand je vous disais que le jeu était vraiment ambiance et tout. Les mecs ont développé Fear quoi. Côté peur, ils y connaissent quand même quelque chose. Alors, attaque enchaînée. Ah, les attaques enchaînées sont des attaques en série qui causent de graves dégâts. Pour en commencer une, appuyez 2 fois sur L1 ou R1. Lorsque vous êtes près d'un ennemi. Appuyez sur les touches affichées à l'écran au bon moment. La jauge d'attaque enchaînée doit être pleine. Jauge d'attaque enchaînée. C'est ce truc en haut à droite. Faites une attaque enchaînée contre un ennemi.
T'es là? Merde, j'ai complètement raté mon QTE. Putain, il y avait juste un QTE à faire, je l'ai raté quoi. Bim, tiens, bim, tiens, ah bim, les deux. Oh, j'ai enfoncé la tête dans les épaules. Maintenant, c'est un zizi. Avec le... Voilà. Alors, meurtre violent. Lorsque l'IA est dans une position de défaite, à genoux, approchez-vous et appuyez sur L1 et R1 pour faire une prise de tête. Amenez l'IA vers une icône de crâne blanc, l'opportunité de meurtre. Ah, mais ça me plaît, ça, c'est très bien. Ah, effectivement, là, on voit que ma jauge de je sais pas quoi est vide. Alors, hop. Ah, d'accord. Ah, c'est marrant, ils ont repris un... Je me souvenais plus de ça. Allez, bim, allez. T'as mis à la télé, hein? Faut pas la regarder de trop près, on t'avait dit. Ils ont repris un système de... Oh, qu'est-ce qui lui arrive à lui? Il est tout dégueulasse. Ils ont repris le système d'un jeu... D'un jeu de super-héros que j'avais fait il y a un moment, je sais plus. Mais c'était quoi déjà, celui-là? Ah, The Punisher. J'avais fait The Punisher à l'époque sur PS2, il y avait le même système. Mais j'arrive pas... Putain, j'arrive pas à l'enchaîner, lui. Il est mort? Ah là là, il m'a fait perdre pas mal de vie, hein, par contre. Ah, mais là, il y a des soins, non? Ah, utiliser Medikit, ouais, c'est ça. Ah. Quick. Voilà. Alors, mais au moins, il m'a trouvé une petite sortie. Mais c'est intéressant, ça, de jouer un petit peu avec les décors. Par contre, il faut voir comment c'est fait. Et si, à chaque fois qu'on en a besoin, il y a bien une opportunité de meurtre disponible. Un écran ou, je sais pas, un balcon. Ou un truc comme ça. Répondre à quoi? Ah, attendez, ah, il parle à lui là en bas, c'est Van Horn. Encore quelqu'un qui avait pas ses papiers. La police a pas bien fait son boulot, Van Horn. Oh, oh putain! Ah, mais lâche-moi! Oh! Même moi, j'aurais pas fait ça en vrai, au pauvre chien. Ah, il lui a éclaté la mâchoire, quoi, quel connard! Retenez les enfants, faut jamais écouter de la... On l'a dit au début, hein. N'écoutez pas de la musique rock trop forte dans les bars. Ça fait qu'après, vous allez être comme ça. Je vais où? Ah, là, j'avais pas vu qu'il y avait... Mais non. Je suis là d'où je viens, quoi. Ça? Ça, alors? Ouvrir portail. Oh, putain. Oh là là. Ah, j'ai cru que... Allez, allez. Oh putain! Bon bah voilà, les tonneaux sont un problème réglé. Et il y en a un qui a pas explosé, hein, je crois. Attends, il y a quoi ici? Alors, je sais que Van Horn a été de l'autre côté, mais je veux savoir à quoi ça sert de venir ici. Bon, rien, c'est juste pour rendre le monde un peu plus cohérent. Ils ont fait des portes qui servent à rien. Allez, c'est parti. Oh! Oh mon dieu. Salut tout le monde, salut Heather, ça va bien? Bon. Oui, enfin, un chien qui veut me buter. Je le bute, c'est légitime défense! Mais non, monsieur Kiki, tu lui fais une petite caresse, puis après c'est bon. Il lâchera. Puis après vous allez être heureux, tous les deux. Alors, ils ont buté. Oh, il est tout crado le mec. Pour lancer une arme. On dirait les. On dirait les oiseaux qui sont recouverts de mazout en pleine mer. Ça fait... C'est dégueulasse ce que je dis parce que c'est pas bien. Pas bien, faut pas recouvrir les oiseaux de mazout. Ouh, vilain. Mais voilà. Ça m'a fait penser, quand même. Après tout, la pollution... Ah, la pollution a même chopé les murs, hein, ici. C'est quoi ce machin, là-haut? Ah, mais c'est un truc à détruire, ça. C'est un truc qui rend les gens violents. Ah mais attends, il a dit de lancer son arme. Vous pensez que je peux... Genre... Ah bah oui, ça marche. Bon, est-ce que mon machin, il est allé où, là? J'en ai besoin, merde. Parti où, ma gaine? Ah, ramasser briques. Bah, pff, ouais, si j'ai que ça... Oh, il y a des oiseaux morts par terre. Vous croyez que c'est lui qui leur a piqué le bec? Bon... Là-bas, il y a quoi?
Pour faire un sprint. Oui, oui, je sais, j'avais compris depuis le début un peu. Je peux pas sauter par contre. Non, je vais allumer ma petite torche. Pendant un moment limité, d'ailleurs, j'ai l'impression. Et c'est tout. Alors, qu'est-ce que c'est ça? Bonjour. Pas grand-chose en fait. Les enfoirés, c'est gore. Il y a un scénario où il est-il le bon Richie du premier Condemned. On va dire un prétexte. De mémoire, le scénario est pas foufou. Mais bon, c'est pas très grave. Pour un jeu comme ça, c'est pas très grave. À partir du moment où vraiment il y a une ambiance qui est sympatoche. Le scénario qu'ils ont essayé de greffer dessus, je pense que tout le monde s'en fout en fait. Et l'ambiance est vraiment maîtrisée. Je pense que depuis le début du live, je pense que tout le monde s'en est rendu compte en fait. C'est bien parti pour la deuxième option. Voilà, on dirige un clodo. C'est tout ce qu'on peut. C'est tout ce qu'il y a à savoir. Le reste, on s'en fout. Qu'est-ce que. Ah, mais c'est Van Horn! Reviens là! T'as pas tes papiers, je suis sûr! Attends, il y avait un. Ah, des gaines! Putain, le mec, il démolit mais toutes les gaines du quartier. Il y a des gens qui doivent gueuler dans leur appart. Ils ont plus d'électricité pour rien. C'est trop ici, peu, genre. Il n'y veut voir The Human Centipede. C'est une fragile, elle va pas tenir. Exagéré, quoi. C'est pas si... C'est juste dégueulasse, Human Centipede. Ça fait pas peur et c'est pas si dégueulasse que ça, encore. Viens ici! Viens là! Viens là! Viens là! Oh putain, lui aussi, il est mazouté. Oh! Ah! Mais tu sais que t'aurais pu attendre ton tour, petit enfant. Wouah! Wouah! Oh mais... Il va me tuer! Ah! Ah, j'ai pas réussi à lui faire le fatal... finish him, on va dire. Voilà. Bon. De la chenille qui redémarre. Moi je trouve ça mignon en fait. J'ai pas trouvé ça gore du tout. C'était juste bien. Regardez le Serbian film, ça par contre je connais pas. Regardez le film Conjuring, c'est de la merde. Putain, je comprends pas tout le monde pourquoi tout le monde aime ça. J'ai vu le 2 il y a pas longtemps, j'ai trouvé ça pourri. Ben non, pas pourri, faut pas exagérer, c'est convenable. Oh, il y a un monsieur. Monsieur! Il est emprisonné dans. Ouais bah en fait c'est bon, je vais vous laisser à votre sort. Oh là, oh là. J'ai vu la petite traînée hein, j'ai compris que ça allait mal se passer. Allez vas-y, explose. Si vous aimez le contenu de Bahama, n'hésitez pas à liker un maximum. Allez, tu feras graffer. Oh c'est gentil, trop, merci. Je pense que tout le monde est abonné ici en fait. Oh putain, c'est quoi ces petits machins? Je me fais attaquer par les Gazoutman. C'est des gazous, c'est... Oh punaise! C'est les messieurs dans le mazout. Ils viennent à l'infini ou pas? Parce que si c'est ça, je suis pas bien là, hein. Mon personnage, il commence à voir un petit peu rouge. Monsieur, t'as pas un kit de soins, s'il te plaît? T'es pas beau. Ah mais en fait, c'est lui qui me demande un truc. Regardez, s'il vous plaît. Juste pour prendre le métro, s'il te plaît. Alors... La municipalité prend vraiment... Bim! Tiens! Voilà, j'ai... Ah! Qu'est-ce que... La municipalité prend vraiment pas soin de sa ville, hein. C'est dégueulasse, ici. Putain, même quand mon perso est bourré, je crois qu'il voit pas si mal que ça. C'est une échelle, ça? Ah ouais, il y a des messieurs qui demandent des sous de partout. Non, non, je donne pas, moi, je donne pas. Allez vous trouver un travail. Hop. Alors. Oh putain, mais là encore. Ah j'ai cru qu'il me chopait. Genre, les développeurs avaient prévu qu'on s'arrête et qu'on dise... Oh.
Je veux juste un soin, s'il vous plaît. Enfin, deux, parce que j'ai besoin de rétablir plusieurs barres de vie, là. Ah, ah non, pas un soin. Ah non. Dégage. Dégage. Dégage, tu me fais pas peur. Aïe. Aïe. Mais ma vie, elle est remontée toute seule, en fait. Parce que ça y est, je vois normal. Qu'est-ce qui s'est passé pour le chien hein. Je sais pas où il est, le chien. Alors, j'ai deux choix. Ah, mais non, en fait, c'est une porte ouverte. Oh! Ah, ouais, je me sens mieux quand j'ai une gaine électrique, quand même. Y a pas à chier. C'est quoi, ça? Un autre espacing. Ah, bah, moi, j'écoute les directives, j'y vais pas. Si on me dit de ne pas trépasser, j'y ne vais pas, je ne trépasse pas. Il était où? Hein? Le Yuki? Ce jeu est sponsorisé par l'association du souvenir des naufragés de l'Eric. Exactement, mais exactement. Mais c'est tellement ça, quoi. C'est l'eau, elle a pris le mazout. Putain, il y en a de partout. On dirait presque, c'est presque joli. On dirait une déco de Noël, mais pour les pauvres. Bah, on n'avait rien pour acheter les guirlandes, alors on a pris du mazout. Ah putain! Tiens! Quand le mazout commence à prendre vie, c'est pas bon, quoi. Hop. Bon, y'a rien. Ah, je crois que j'ai retrouvé le chien. Kiki! T'as tué Kiki, enculé! T'es où? Ah, il est... Bon, voilà. Il a fait de ce qu'on appelle le coup de la frite, vous savez? La frite, l'appareil à frites. Voilà. Sauf que lui, bah, il est pas bien mangeable. Bon, bah, on va voir si on peut sauver Kiki. On va voir si on peut me sauver, moi, d'abord. Oh, putain, oui. Oh, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ça, c'est bien. Kiki, j'ai gardé une gélule pour toi. Je vais te faire du bouche à bouche. Il est où? Alors, l'ambiance est vraiment glauque. Hein. Il y a une espèce de son, là, qui est constant. Mais Kiki, il est parti. Je sais pas où... Arme de lancer. Je lance mon arme sur qui? Je sais pas. Moi, c'est pas ce que je voulais faire, en fait. Je cherchais Kiki. Attends, je vais descendre les escaliers. Ah oui, il était là, Kiki. Ah mais il est toujours là, en fait, je l'ai pas vu. Je t'ai marché dessus, en fait, pardon. Ça se trouve, il était encore vivant, puis je l'ai tué. Il était là, en train de survivre. Il va revenir, je le sais, il va venir m'aider. Et puis, je suis passé, et voilà. Mais c'est vrai, je peux pas sauter dans le jeu. Du coup, je suis obligé d'aller là où j'ai été. Mais à quoi ça sert d'avoir poursuivi ce gars qui mangeait Kiki? Alors que j'aurais pu le laisser finir, en fait. C'était pas grave. Bon. Alors, j'ai une brique. Putain, mais ouais, mais si je prends une brique, je lâche mon truc, quoi. Alors. Tu veux que je tire sur quoi? Pour rentrer là-dedans? Non. D'accord, live and die. Oh, oh, hein, doucement, vous avez eu des lives avec des jeux, hein? Il n'y a pas longtemps. Non, puis en plus, bientôt, vous aurez... Là, mercredi, je vous fais du Abzu. Oh, si vous connaissez pas Abzu, mais allez vous renseigner. Moi, mercredi, je vous le fais. On va dire un jeu dans la veine de Journey. Un jeu contemplatif et tout ça, ça va être trop bien. Ça va tellement changer de Condemned. Il y a tellement rien à voir. J'ai pas de thématique propre, moi. Bon, bah, je sais pas quoi faire, moi, avec ma brique. J'ai l'impression d'avoir de me balader avec le doigt dans la tête là-dessus. Ah ouais, c'est ça. Ah, c'est pas mal. Avec le doigt dans Resident Evil, je me balade avec, mais je sais pas quoi en faire. Allez, saute. Hop. J'ai plus le temps en août à cause de la MIFA 3D. Ah, c'est vrai. Et Abzu, je regarderai pas, je vais y jouer aussi. Ah si, tu regardes. Hein. Y a rien à dire. Attends, tu t'as manqué toute la semaine, là. Tu me dois une semaine de live. Putain. Mais non. Mais pourquoi j'ai lancé? Mais je me suis gouré. Ah. Dégage. En fait, c'est vraiment des babtous fragiles, les trucs. Hein. Ce qui est ironique, parce qu'ils sont noirs. Alors, ah. Mais... Arrêtez! Il y en a encore là ou quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? Ah mais il y a ça là!
Merde, raté. Poc. Voilà. Regardez là, sur Darkness, il y a des tentacules. Exactement. Je te dois volou. Oh, si, si, si. On s'était promis rendez-vous sur les lives. Même heure, même peur, tout ça. Donc, Lex, si, si, tu me dois. Oh putain! Alors, lui, il a pas eu le temps d'aller plus loin que le mur. C'est quoi ça? Il y a des kits de soins partout dans cette ville. C'est une pollution, quoi. Alors, déplacer les planches. Bah... sauter en bas. Ah oui, d'accord. Hop là. Mettre un prénom qui commence par un cul-cul. Vive les cagoules blanches. C'est trop bien, ça tient chaud en hiver. Alors, ramasser bras artificiels. Eh, Schlouk, Metal Gear Solid 5 avant l'heure. Regardez, on a l'impression d'y être. Si tu veux pas Abzu. Tu veux doigter Abzu. Alors, je peux faire des choses là ou pas? Ah. Quelqu'un qui a perdu son... Oh, une attelle. Oh putain, c'est encore mieux. Bon, ça fait pas Metal Gear Solid 5. Mais... c'est joli. On peut décorer un ennemi avec ça. Du coup, j'aime pas l'ambiance ici. Surtout que les ennemis ont tendance à se planquer dans les coins, en fait. Donc t'avances insouciant, fier d'être vivant, tout ça, et puis tout d'un coup, bim, tu prends un ennemi sur la tronche, comme ça, tu l'avais pas vu arriver. Bon, on va allumer ma petite torche. Il y a des gens là-dedans? Il y a des bras partout. Bon, il y a une télé. Est-ce que je peux ouvrir ça? Ça m'étonnerait. Hein. Ouais, je peux pas. À force, je vais finir par reconnaître les portes que je ne peux pas ouvrir. Ah, c'est des portes texture. Ah, tiens. Tirez levier. Ouh, il est mignon. Oh putain, mais ils viennent vers moi en fait. Ferme la porte, ferme la porte. Vas-y. Regardez, il est venu. Genre, hé, hey, tu m'as pas vu. Ah, puis c'est foutu dans un coin. Bah, je m'en fous, je l'attends. Je peux pas ouvrir la porte là. Hop. Hein. Un petit enculé. Crochet. Faire des crochets aura un effet de recul sur l'ennemi. Il sera plus lent à contre-attaquer. Faire un crochet, appuyer sur... What? Crochet. C'est une béquille, c'est pas un crochet, ça. Tiens. Tiens. Et puis tiens. Tu m'as lancé ta béquille et c'est pas la mode. Les t-shirts ou les sweats, si tu veux, avec des têtes de mort. Voilà. Puis il y a des trou dedans, t'es dégueulasse. Je crois que je t'ai grillé, mec, derrière, là-bas. Bah, le meilleur moyen, si tu veux le planquer, c'est, si tu veux, c'est d'éviter de le faire entre deux étagères. Parce que le principe, c'est qu'on voit, en fait. Ah, ça y est, il s'est déplacé, mais il m'a entendu. C'est lui, oups, c'est vrai. Oh, t'as complètement foiré ton lancer, t'es une merde. Allez, toi, tu vas avoir droit à l'encastrement de tête. Voilà, comme ça, c'est très bien. Et lui, il est où, là, l'autre? Il y en avait un dernier. Il est où? Peut-être là? Putain, j'entends marcher. J'entends marcher. Il est où? Viens! Ah ah, je t'ai vu! Je t'ai vu, Becky! Ah, merde. Oh, waouh, comme il pa... comme il m'a punché. J'ai pas trop compris cette espèce.
Bon, ça donne un coup de pied, mais... Alors, c'est censé arrêter les attaques, en fait, en cours. Ah non, ça, c'est là d'où ils viennent. Je pense que c'est là qu'il va falloir que j'aille, hein. J'ai pas ouvert pour rien. Il y a un petit landau, c'est un petit peu... Ah, les trucs, quand il y a des enfants comme ça, les jeux d'horreur, c'est un peu... C'est un peu glauque quand il y a des landaux. Il y a le fils de musique, mais j'ai pas trop kiffé. La Natel, c'est pour l'X 2000. Ah, The Visit, bah, c'est un film à plot twist et tout. Mais il est pas très... Je trouve que c'est pas très cohérent, en fait. La réaction des gens... contenu du film, c'est bizarre. Alors, on y va. Oh, bonjour! Il a dû répondre, mais le mec, tout ce qu'il m'a dit, c'est... Ah. Monsieur? Non, je crois que c'était Derrick, en fait. Est-ce que je peux aller en bas pour voir ce qui se passe? Bon, bah non, y'a rien. Derrick! Je reviens! The Visit, c'est fan footage, non? Ouais. Enfin, en partie, je crois, pas tout. Ouf. Non. Pas éteindre. Ouais, c'est pas... Putain, on dirait qu'un mec s'est mouché trop fort. Il a raté le mouchoir, quoi. Enfin, je dis mouché, mais en fait, je devrais dire autre chose. Et ça... ça fait plouc. Ça colle aux chaussures quand on marche. Alors, c'est quoi ce machin là-haut? Ah. Ah bah là c'est autre chose, il s'est pas mouché, là il a... Bonjour? Tu sais que je te vois. Becky! Alors, c'est quoi ça? Hé! Hé! Détruisez les sacs suspendus au plafond. Ah mais il sortait de là, petite tarba. Tiens. Ah mais j'ai perdu mon truc maintenant. Je peux pas lui lancer la chaise. Ah oh, j'ai plus de vie. Ah oh, mais c'est tellement abusé, j'avais plein de vie. C'est quoi? Bon, essayez de récupérer... Ah ma Becky elle est là. Hop. Mais pourquoi ça marche pas? Je le fais. Ah là vous êtes mort. Mais oui, mais forcément. Hop, c'est sympa le petit écran de Game Over. Avec le petit bruit. Bon. Bien. Alors, je recommence. Ah, mais je recommence là où il y a Derrick. Derrick! Moi aussi, je t'aime. Ah. Allez. Derrick, ils l'ont aspiré dans le sol, quoi. Allez, on retourne dans la salle du flip-flop. Voilà, on attaque les sacs poubelles. Tiens! Bon, il y en avait un second, je crois. Il est où? Et viens là, petit tarba! Ah, il est là-bas. Putain, qu'est-ce qu'il est lent. Voilà, elle est passée où mon... Voilà, mon attelle. En vue, c'est pas très courageux, je les attaque à distance. Y'a rien à foutre, ils font des dégâts de fou, les mecs. Ah, putain! Ok, c'est bon. Voilà, et il reste encore. Mais oui, y'en a... Putain, mais... Ah, lui, il va m'avoir, par contre. Ah, c'est bon. Voilà! Oh putain, mais il y en a partout en fait, des sacs poubelles! Putain, les mecs sont vraiment crades ici, hein, la précarité, tout ça. Alors.
Biggie. J'aime cette attaque. Allumer ma... Ouais, l'allumer, je vais peut-être éviter de l'allumer encore moins. Alors... Attendez-moi, je veux voir ce que ça fait, si. Genre... Ah, là, ça a marché. Je vais éclater les bras, quoi. Ah oui, parce que moi, je le faisais mal. J'appuyais en même temps, alors que non, faut appuyer simultanément très vite. Non, alternativement, pas simultanément. Oula. Ah. Regardez. Hop. Il a pris ses petits bras. Et il les a fait disparaître. Regardez. Hop. Magicien de Bastia. Oh putain. Il y a des bruits, juste trop bien. Il y a déjà que le... Il y a une espèce de, je sais pas, de bruit lent, silent, là, depuis tout à l'heure. Le bruit, je sais pas, c'est pas super agréable. Putain, je t'avais pas vu, toi. Allez, hop, dis coucou. Voilà. Ah, il y en a un là-haut. Il doit y en avoir un là-haut. Ah! Mais qui? Parce que là, il y a un truc comme ça, là. Quand il n'y a pas de goutte au sol, c'est que généralement, il y a un ennemi. Bon, on s'en fout. Et puis on voit vraiment que dalle, quoi. C'est quoi, ça? Oh, putain, le fusil à pompe! Oh, Nid! Ouais, non, mais je vais pas l'utiliser. Je vais pas l'utiliser contre les mecs qui sont là, ils sont trop lents. Tiens, regardez, tu coudes dans les boules et c'est bon, ils se barrent. Et ben... Ça a fait. Envoie une croquette sur Manu, touché. Mon végétien est plus doué. Ok, merci, Tetsu. Pourquoi on m'envoie des croquettes dessus? Alors, ah, on dirait que... Ouais, je commence à voir chelou. Il y a un truc à désactiver, là, ici. Putain! Ouais! Ok, il me reste pas beaucoup de balles, hein, je crois. Hein. Je pense que je peux me servir de mon fusil comme arme de corps à corps. Tiens, le voilà, lui. Ça me gêne un peu, là. Je peux pas désactiver le truc, là. Il est où? Enfin, c'est tout noir de partout. C'est tout noir dégueulasse. Comment je fais pour le trouver, le truc? Ouais. De toute façon, à mon avis, Van Horn, je pense que... Ouais. Je sais pas s'il voulait le sauver ou un truc comme ça, mais je pense que... Il y a peu d'espoir à se faire. Hein. Il n'a pas du tout suivi. Non. Pas du tout. T'as un Klex. Ton smiley, on dirait Théo. Oh putain! Ah, il est où? Mais ils sont tout noirs, les mecs, tu les vois pas! Mais! Ah, mais c'est normal en fait? Ah non. Vous êtes mort. Oui, je trouvais ça bizarre parce qu'ils m'ont pas dit. J'ai eu un fondu au blanc. Je me suis dit, tiens, ça doit être normal en fait. Il faut mourir. Mais j'avais ma vie à fond, quoi. C'est un truc de fou. Ils m'ont allumé en 2 secondes. Viens là, toi. Ah merde. Mais j'arrive pas à faire mon coup! Mais je vois rien! Je vois rien! Mais je vois rien du tout! Ah là, je vois mieux là. Bon.
Putain, j'ai pris tellement cher. Alors, on va aller vite vers Van Horn. Eh, qu'est-ce qui se passe? Utilisez le rebord, ça y est. Coucou. Oh, oh merde. Il était planqué dans le mur, quoi. Voilà, et c'est l'AVC. C'est vraiment du mazout. Et oui, on est sur un bateau, en fait. Il est complètement en train de rêver, notre personnage. C'est dur de savoir s'il est bourré, en fait, ou s'il a vraiment vécu ça. Vu qu'on sait que le mec, il sort d'un bar et qu'il a des alus. Puis même la gueule de l'ennemi, quoi. Il fait tout sauf humain. Les piercings, je veux bien, mais alors la bouche fendue et la voix, et les yeux aussi, manifestement. Et bon, visiblement, il nous fait une petite anémie, le mec, hein. Faut manger un petit beef steak, là, monsieur. This is Dorland, subject secured. Affirmative. What was that about? Forget it. Synopsis, t'es juste bourré. Ploptiste. Et depuis le début du jeu, en fait, le héros, il est dans un caniveau avec une bouteille. Et un filet de bave. His name is Malcolm Van Horn. Sir, we have a positive ID. Yes, Malcolm Van Horn. Van Horn. Okay. Get Thomas in here. We need to act. Lâchez-le, il le laisse filer. Oui, oui, bah ouais. Yes, sir. Il avait vraiment pas envie de l'arrêter visiblement. Enfin, je veux dire, le gars qui est pas armé contre deux flics armés tous les deux justement. Il se barre en faisant un petit clin d'œil et ça y est, c'est bon, il a gagné. Du coup, là, on le dit. On les voit pas, ils sont tout noirs, mais oui. Et c'est pas ma faute. Ils sont mazoutés. C'est fini? Ah bah non! Mais c'est un vrai jeu, c'est pas un jeu téléchargeable qui dure 2 heures, ça. On a fini le premier niveau, c'est pas mal déjà! Alors, vous avez gagné niveau argent, hein. Bah j'imagine que c'est bien, je sais pas. Reportage 2 sur 5. Ah oui, c'est les télés, ça. C'est vrai, je peux regarder. C'est chiant. Action du joueur, 5 sur 6. Ça, c'est quand j'ai répondu, je pense. Ah, j'ai raté une réponse! Émetteur Sonic, 3 sur 3, ouais. C'est marrant, je pensais en avoir oublié un. Et objectif optionnel, ça doit être... ah oui, voilà, ça doit être un des sacs que j'ai oublié. Détruire tous les sacs du plafond, voilà, bah c'est ça, on est fixé. Votre niveau d'attaque actuel... Ah mais merde! Si j'avais su que... Je me souvenais plus de ça, moi. Qu'en fonction de mes performances, je pouvais augmenter mon personnage. Mais en fait, c'est comme Bear Grylls, je peux le faire augmenter. Alors niveau argent, j'ai emporté un point américain à la main gauche, ce qui augmente... considérablement les dégâts causés, mais oui, ça augmente considérablement, c'est très bien. Les points américains, ça se porte pas comme ça. Nier. Search team, check in. Dorland here. Rooftop is secure. The crew here. Ready to give this shithole a handle. No signs of activity. Good luck down there. Copy that. Là, c'est greffé à la main. Bah, je sais pas, ils ont voulu donner au point américain un côté item de MMORPG, tu sais. Il colle tout seul. J'ai aimanté. Il est vraiment. Mais il est... C'est le personnage qu'on dirige, s'il vous plaît. Il est dégueulasse. Il a tout sauf du charisme, quoi. Bon, niveau argent, ah, j'apporte un point américain, ça me fait plaisir. Donc, il va falloir que je fasse quand même mon mieux pour faire les objectifs secondaires. Allez. Allez, monsieur. Le temps de chargement, là. Changement d'ambiance. C'est le temps de chargement qui nous permet de nous reposer. Ah, j'ai le droit d'enquêter avec une copain. Je pense que c'est pas mon pote, en fait. Re
Regardez les rois, le rat du coin. Mais genre, ça peut pas être mon objectif annexe, ça. Tuer les rats. Combat avec arme à feu. Non, mais c'est bon, j'ai trouvé une arme juste avant. Hein, foutez pas de moi. Ah, pardon. Merde. Reviens. Je voulais pas faire ça, reviens. Je voulais juste... Combo, combat, analyse, mise à niveau. Ah ouais. Ah, c'est cool, on peut grader son personnage, quoi. Putain, mais je suis dégoûté de pas avoir fait mieux. Ah, mais j'ai pas, en fait. Ah, voilà, trouver le corps de Van Horn. Tâche de médico-légal. Alors, ils sont passés où? C'est là qu'il faut que j'aille, monsieur? Est-ce que je peux te tirer dessus? Non. Suivez la piste de Dorlan, ouais. Bon, bah, allez, hein. T'as vu, j'ai pris un raccourci, moi. Ah, je me sens mieux quand même quand il y a des copains avec moi. J'aime bien. Oh, coffre. Les coffres de la SCU sont dispersés dans toute la ville. Ils contiennent habituellement de l'équipement médical, des munitions, des armes. La plupart des coffres sont équipés d'un système de retransmission satellite. Ils sont donc faciles à retrouver à l'aide d'un système GPS de la SCU. Ah, ça c'est cool. Prends des munitions. Ah bah ouais, je prends. Quoi ça? Là, y'a rien? Non. Je préfère ça que d'arracher les tuyaux partout où je vais. Au moins là, j'ai une vraie arme. Donc. Alors, c'est une sorte d'hôtel, en fait. L'hôtel le plus glauque du monde, putain. Oui, ça va. J'ai des copains, donc ça va. J'ai pas. Je me sens bien, je me sens bien. Même si la tapisserie est dégueulasse, je me sens bien. Alors, est-ce que t'as vu quelque chose, copain? Mr. Thomas, check it out. Let me remind you, unnecessary use of force will not be tolerated. L'usage excessif de la force. Et si j'arrache la tête des ennemis en les frappant, c'est pas grave? Petit os pro, c'est bon, hein. Qu'est-ce qu'il fait, lui, là-bas? Lui. C'est Gollum. Mon anneau précieux. Alors. Ramasser quenouille. Quenouille de lit. Sont-ils pas belles, mes quenouilles? Elle est où? Elle est où, la quenouille? Ah, attends. Quenouille de lit. Pourquoi quenouille de lit? Pourquoi pas un pied de lit, tout simplement? Mais attends, et je peux pas passer derrière, là? Ah, peut-être la... Le grand Durandal. S'il le dit, c'est que c'est forcément vrai. Tu veux cette belle quenouille? Ah, je suis content. Je suis fier de vous, les enfants. Vous avez pris les bonnes refs. Mais par contre, moi, je sais pas où aller. Bon, je suis désolé. Mais il a été retrouvé, Frodon, hein, je crois. Ouais, voilà, elle est bien. Ouais, vas-y, fonce, je te regarde. Vas-y. Oh putain, j'ai trouvé le labo de Breaking Bad, quoi. Détruire leur labo? Ah, voilà l'objectif optionnel. Comment je fais pour détruire les labos? Je tire dessus ou... Moi, j'y vais avec les pieds. J'ai pas peur, mais... Ah, c'est... Ah bah, en fait, non. C'était pas une bonne idée. Manu, tu m'aides pas. Tu m'aides pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi? Bon. Ah putain, puis on reprend là? Rip. Oups. Je suis mort. Ah, c'est...
C'est pas... Non, je pense qu'il est pas mort. C'est comme Bear Grylls. Il est pas mort, il est incapacité. C'est tout. Je me sens bien, en fait. Combat avec arme à feu. Non, mais c'est bon, j'ai compris. Comment on fait pour courir? Vas-y, dégage! 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 Là, y'a un rat! Y'a un rat! Viens ici! On m'a dit de tuer les rats. Viens là! Viens! Allez. C'est le Black qui me dit, il est en train de se dire, putain, mais qu'est-ce qu'il fait? Il a vu un ennemi? C'est quoi, ça? Ah non, j'ai cru que c'était en surbrillance, mais en fait, pas du tout. C'est pas le pied de lit. C'est pour soutenir le baldaquin. Ah, mais ça existe vraiment, un quenouille. Il pas touche, au rat. Mais ils sont dégueulasses. Viens, mais... Ah, mais en fait, je peux pas passer là, moi. Mais putain, mais c'est... Ah si, ça y est, je disais, grand, quand même. Hop. Ouais, mais moi, je le fais mieux que lui. Oh, mais... Le mec va pas déconner, quoi. Waouh, t'as des jambes, gars. Franchement. Tu vas en salle, là. Ouais, j'adore être derrière ce gars. Bon, on va faire attention avec les labos par contre maintenant. Hein. Ah, viens là, Gollum. Je t'aurai. Bon. Bon, allez, copains. Ouais, ouais, regarde. Moi, j'ai appris la leçon. Maintenant, je fais comme ça. Je me barre. Bon, on va le faire comme ça en fait. Ah ! Eh bien ! Ah, il y a même le saut qui a voulu sortir de la pièce, quoi. C'est genre au secours. Ah, je peux pas ouvrir ça. Ramasser pose gobelet ? Ah, mais c'est vraiment une arme ! Alors bah se retrouve face à un ratata sauvage et Véro qui n'est pas touchera. Non, au contraire, elle va vouloir tous les prendre. C'est bon, je vais avoir que des ratata. Non, tu prends le ratata. Mais putain, il y a un léviator à côté. Non, ratata. Allez. Ah. Ouvrir la porte. Oh, il l'a ouverte avec subtilité. Bonsoir, mais comment ça va? Vous avez vu? Pouic. Délicatement, de la paume de la main. Il a pas donné un gros coup de pied de jour dingue. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en ai marre d'avoir des visions. Hein. Je pense que ça y est, c'est temps, il faut que je... Lunettes des toilettes. Ah, ils sont où mes copains? Hé, hey, copains! Oui. Tiens. Jolie ceinture. Alors... Ah, ça y est, il a réussi à s'en débarrasser. Ah, ça fait... J'entends des bruits là-haut. Enfin, je suis là-haut, je sais pas, en fait. J'entends des bruits, mais... Bah, c'est vraiment un hôtel. Le truc est ultra glauque. Faudrait me payer pour dormir là-dedans. Ouverture de porte, pouic. Ouverture de porte. Ouais, moi je sais pas le faire, la russe. Je serais un mauvais Willon en fait. Mais je vais où? Eh les copains. Ah, ça y est, tu t'es décidé à bouger ton cul? Ah, parce que fallait que tu fasses un truc. Ah, t'aurais pas pu le faire avant en fait. Au lieu de me laisser chercher, c'est quoi ce putain de bug? Bon, alors, se baisser. Bonjour. Le mec, il arrache des... Oh, que t'es moche. Ah, il m'attaque avec quoi? Des aiguilles? Couché. Il tire sur quoi, lui? Ouais. Mais il tire sur quoi?
Ah d'accord, il tire en fait sur des golems aussi. Qui t'attaque avec des aiguilles, c'est tranquille. Attaque achivée. Pouh, salut Mike. Je me disais, c'est marrant, on dirait pas un copain, mais en fait non, pas du tout. Bon, bah, au moins j'ai économisé les munitions, hein. Putain, tu m'as fait peur toi par contre. Lui il a pas bougé son cul. Alors, prends les munitions, bah je veux dire. Putain, mais maintenant les mecs sont carrément armés quoi. Putain, t'es trop efficace. T'es mon héros. Fusil anti-émeute. Ah mais... Ah d'accord, ok. Ils disent maintenir enfoncé pour prendre les munitions, mais en fait non. C'est pour prendre là. L'arme. Moi de la merde cet hôtel hein. Je vais enfoncer ça. Non, je peux pas y toucher. Bon, pour l'instant j'ai pas eu grand chose à faire. Hein. Moi je me balade avec mes copains. Oh là là, c'est quoi ça? Ah j'ai cru qu'il nous ferait. Ah, mais ils l'ont fait. Il m'a fait peur. J'allais dire, j'ai cru qu'il nous ferait le coup du gars dans le miroir. Seulement, ça avait mal été fait. Ah d'accord, c'est quand la porte se referme en fait que tu le vois. Moi, je me suis... J'en ai avant. Il a disparu le gars. Putain, j'ai plus de munitions, merde. Je suis venu ici juste pour perdre des munitions, ça servait à rien de venir là. Tiens, je te prends ton fusil, j'espère que ça te dérange pas. Hop. Alors... Cette subtilité d'ouverture de porte, quoi. C'est beau, j'aime bien mon personnage. Il pue, il est moche. Il titube un peu, mais... Il a la classe quand il ouvre les portes, et ça... Ça fait tout. Bon, bah du coup, je vais regarder... Vu que je sais que ça sert à quelque chose, maintenant... Je vais regarder les émissions. Avec un peu de sens, je vais tomber sur Jean-Pierre Foucault. Alors, voilà. Ah, City News. Tony is perhaps best known for his work last year during the SKX murders, and we're very excited to see and learn what he uncovers about the city we live in. Tony? Thank you, Sarah. The streets scream out to us. They are in pain, but no one knows why. I'm going to live, eat, breathe the streets for the next few weeks to see if we, the public, can find out what evidently the local government can't or won't tell us. Stay tuned to City News for further live on-the-scene reports. C'est bon, ça y est. Et bien putain, la réception est très mauvaise dans cet hôtel. J'y retournerai plus. Je peux prendre une quenouille. Ah ouais, mais il y a des quenouilles partout. Ah oui, d'accord, la quenouille, en fait, c'est pas les pieds, c'est ce qui est continu, le pied. Ouais, attendez. Ça, je pense que c'est le chemin officiel. Je vais juste voir si je peux faire un truc là. Non. Allez, bah YOLO. YOLO. C'est quoi ça? Ah, c'est une lampe. Et du coup, je me retrouve tout seul quand mes potes, ils vont pas me suivre. Les quenouilles. Alors. Coucou. Visé sur 20. je peux pas sauvegarder. Sauvegarder, recharger. Putain. Ils m'ont fait peur. Ils peuvent pas prévenir. En fait, on perd tellement vite de la vie quand on est dos à un ennemi que ouais, ça fout les jetons quoi. Elle est bien équipée, Ethan, hein, quand même. Il a des doigts pourris, mais il tient un super truc qui coûte super cher. Ah,
suggesting that we may be looking for two bodies, one being Van Horn, the other a Metro police officer. Signature overlays indicate that both shots came from the same weapon, a 38 caliber handgun. Oui, Mike, c'est exactement ça. Alors, vous êtes sûr que ce n'est pas une autre arme? Est-ce que les policiers ont signalé un accident au secteur? Any officers reported in the area during the time of the call? We've been informed that a Metro officer in the area is no longer responding. Find him. He may be in need of assistance. Ça me rappelle l'allure du squad de Vampire Masquerade, je connais pas. Je sais pas ce que c'est en fait. De nom, vaguement. It was faint, but when I cross-referenced the sample to known sources, I was able to narrow it down to a passing commuter train. Bah ouais. Is there a commuter train that passes near the hotel? Yes, Metro Transit Rail passes by the north wing. Narrow your search to that area. Proceeding to the hotel lobby. Copy that, search team. Pourquoi j'ai eu un score parfait de quoi? Genre mes réponses étaient parfaites? Bientôt je vais faire des lives avec Manu où je lui mettrai la pâtée. Ouais, je me souviens du dernier live qu'on a fait ensemble où on était en compétitif. C'est le bon vieux pâté de campagne pour toi. Alors, Bah, je sais pas, en fait. Alors, là-bas, c'est rouge, c'est pas super engageant. Là, il y a... Il y a un monsieur qui court. On va pas y aller. Là, il y a les... Bon, en fait, je vais aller là... je vais aller là où c'est rouge. C'est mieux. Je suis tellement plus précis avec une arme au corps à corps. Ah, j'ai... Mais vous inquiétez pas, hein. J'ai eu le mur. Alors, je vais me battre avec la lunette des chiottes parce que c'est tellement le swag. Coucou. Bobby, t'es où? Je t'avais dit de fermer la lunette des chiottes. Et bah bim. T'aurais pu retirer ton short quand même. Allez, je te laisse tranquille. Bisous. Alors, allez voir là-bas, tiens. Mais en fait, y a rien. C'est là où c'est inquiétant que c'est tout rouge, qu'en fait, y a pas grand-chose, quoi. Tu es capable de louper un coup de couteau? Non! Ça va. En fait, le jeu est fait pour le corps à corps, essentiellement. Et regardez. Eh, hey, l'esquive du chiotte, quoi. Madrier. Bon, non, je vais garder ma lunette de chiotte. Je fais plus de dégâts, en plus. Je t'ai vu. Non, mais je t'ai vu, mec. Mauvaise ambiance là, vous là. Je vais aller voir par là-bas plutôt. Ah, j'ai changé ma lunette de chiotte. Parce que la mienne, elle commence à être un peu usée. Bon. Bah allez, un peu de courage, hein. Coucou. Oh! J'entends. Il fait... Ah, il s'est essuyé le nez. Gros dégueulasse. Mais je crois que je te vois derrière le mur. Voilà. Bien résistant celui-là, tiens. Search team, come in. The city map indicates that a commuter train passes the north side. Quoi ça? Élévateur. Ascenseur de service, très bien. Ah bah c'est là où je vais aller en fait, revenez aux ascenseurs. Ah, je sais pas. Non là c'est quoi? Ah je peux y aller là.
Bonjour. Ah, mais oui. On est aux ascenseurs, mais c'était là-bas. J'arrive. Je me sentais mieux avec eux quand même. Ah, putain, copain. Marvin, je te lâche plus jamais. Prends-moi dans tes bras, mec. Et tiens, je fais un check avec la lunette de chiotte. Bon, bah. C'est comme le jeu où faut prendre un fer à cheval et le lancer sur un clou au sol. Et là, on le fait avec Marvin, en fait, ça marche bien. Ça marche pas bien, en fait. Bordel, qu'est-ce que vous foutez? Non, mais je m'amuse, moi, c'est tout. Wouah, putain, la brutasse. Your turn, Mr. Thomas. On dirait un peu rec. Oh, c'est plus atmosphère immeuble qui fait dire ça. Immeuble un petit peu mal. Mal logé. Il me dit y'a Klex. Il est trop mignon cet enfant. Ah mais je rate pas un live de Klex. Moi je fais pas comme Monsieur Klex qui vient pas une semaine sur mes lives. Alors, quenouille de lit, on va l'apprendre. Ah, il sent bien. J'ai toujours rêvé de me battre avec une quenouille. C'était mon rêve. En plus, il y en a de partout. Hein. Là, je risque pas de tomber en rade, quoi. Je sais pas pourquoi, mais ils ont décoré les murs avec des lits. Voilà, ils ont foutu des lits partout sur les murs. Vous trouvez ça joli. Alors, Est-ce que je peux passer par là, maintenant que j'ai pété... Je peux pas en fait. Je pensais qu'il pourrait mettre la main. Ah, quoi que. Allons en gaine électrique. Ah, la gaine électrique fait moins de dégâts. Bon, alors on va garder ça. Fais qu'un. Si tu es toujours vivant, répondit. Sinon, on fait un splouch sur Guénolo. Non, mais remarque. Putain, la brutasse. Oh hey. Mickey, le mec est visiblement accro à la boisson des splouches, il en fait tout le temps. Il y a marqué quoi dans ton... C'est quoi, c'est ton prénom ça, monsieur? C'est... Alors moi je dis San, c'est peut-être un admirateur. Je dis San, Sangle. Sans ça veut rien dire. Mais bon, c'est possible qu'il ait mis les rookies, non? Alors. C'est quoi ça là-haut? Ah non, c'est. Hein? Bon. Hop, hop, hop. Ah, c'est un. Ah oui, un labo! Un labo! Mais tu peux pas arracher la planche là, l'autre il l'a faite tout à l'heure, toi tu peux pas? ça m'aurait étonné que ça marche. J'aurais eu un flingue par contre, ça aurait pu là. Est-ce que c'est grillé? Est-ce que je sais pas. Ah, c'est chiant! Pas moyen de passer par là-bas? Sangria. Je me suis fait un tatouage pour la boisson que je préfère tout au monde. J'ai hésité avec le vin rouge, mais... Ah merde. Bon bah tant pis, hein. Si ça se trouve, je pourrais le rattraper de l'autre côté. Mais à mon avis, s'il y avait cette petite ouverture, c'était... On va faire d'ici. J'ai eu peur du bug qui est par terre, quoi. Le grand salon, je peux toujours pas y accéder. Quoi ça? Oh! Qu'est-ce que c'est? Spectromètre? Putain, mais c'est Gus Dix, le mec. Votre spectateur... Votre spectromètre, pardon, je suis désolé. Je suis un peu troublé, là. Je peux détecter le son suspect. Pour accéder à votre inventaire d'outils, maintenant...
Ah. Ah mais j'ai plein de trucs en fait, j'avais pas vu. J'ai le GPS. Pratique. La lampe UV de ouf. Oh, c'est pour faire l'ambiance boîte de nuit, tout ça, Ibiza. Et qu'est-ce que c'est? Photographier. Oh mais c'est trop bien, j'ai un appareil photo. Quitter. On va remettre le spectromètre. Ah ouais, ça y est. Je peux donner un coup même si j'ai le... Ah. Que c'est par là, hein? Ah, il est là-haut. Très bien. Bah ouais, mais j'ai besoin d'un truc là pour lancer dessus. Sinon, je sais pas si ça rend violent, mais en tout cas, ça rend flou. What? Ah, mais attends, d'accord. Ok. J'ai compris comment ça marchait. Alors. Voilà. C'est bien, c'est comme ça qu'il fallait faire. Mais... Bon, on va viser un tout petit peu plus bas alors. Mec. Ah, voilà. Après trois tirs, il était temps. Donc ce truc-là est censé rendre les gens violents. Ça veut dire que si je l'arrête, ça y est, ils sont tous gentils. Il me semblait avoir entendu un bruit. Tiens! Tiens! Et bim! Et lui, il a rien compris. Condamné, évoluant en Fatal Frame. Je vais faire un Fatal Frame sur son cul! Tiens. Ah non, je peux pas lui... Je peux photographier les fesses. Dic. Transmission de l'image en cours. Dis donc, Ethan. tu nous as caché des choses. C'est bon, t'en veux pas. Alors, briques. Est-ce que je peux attaquer sans les lancer, les briques? Ouais, je peux. Bon, j'ai une portée de merde, mais je peux. Ouvrir la porte. Oh putain, oui. Oh, vas-y, donne-moi des soins. Oh ouais. Ah, ça c'est bien, je suis bien, là, je me sens bien. Alors. Ah, mais voilà. Mais c'est à ça que servent les briques. Putain. Ah d'accord, et j'imagine que ça a ouvert. Ouais, ça a dégagé. Mais non, même pas. Je pensais que ça avait dégagé la table renversée là-bas. De toute façon, ça me changerait pas grand-chose vu que... Vu qu'il n'y a pas d'autre accès ici, bah, je dois aller où? Mais qu'est-ce que je fous là, alors? Ah, mais c'est ouvert la porte. Ah, d'accord, le gars qui m'a couru après, il venait de là. Bonjour, j'aime pas les lieux trop ouverts comme ça. Où il y a des bruits chelous qui se passent. Hop, 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 hop. C'est quoi ça? Oh! Ah oui, ah oui! Allez, tiens, tiens. Tu vas tester la batte. Tiens. Oh, le bruit que ça fait. Bouh. Quoi, quoi, quoi? Ah. Mais j'ai plus ma batte là. Bah ouais, évidemment. Waouh, mais les combats sont super chauds en fait. Il a sauvé la quenouille. Et qui m'a sauvé moi? Bon. Très bien. Putain, mais les combats sont chauds, surtout quand il y a trois ennemis qui rentrent dans la pièce. Alors, on va vite prendre le truc. Ah, mais ouais, ils sont tous les... Il a frappé son pote. Et bah alors mec, tu t'es pas visé?
Aïe 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 aïe. Vas-y, prends ça. Ouais, on va lui faire le cul là, il est où? Voilà. Ah, ça s'est mieux passé là. C'est pas évident ce jeu hein, quand tu gères mal les combats. Puis je comprends pas trop le truc des coups de pied. Je crois que ça arrête l'ennemi en pleine attaque, mais... je sais pas, c'est pas trop vérifiable. Puis il y a cette histoire de... de combo, je sais pas quoi aussi. Ouais, il y a ça, ça. Puis quand je... quand j'arrête leur attaque, j'ai l'impression qu'après ils ont un petit moment de vulnérabilité. Salut Bahama, salut Lockbot. Donc ça va. Est-ce que tu es un bot? Allez, continue. Hop. Des activités à l'extérieur. Je peux sortir par là? Ah oui, je peux sortir par là. Ah bah c'est cool. Ah ouais, c'est mieux. Je préfère tellement être à l'extérieur que dans un endroit fermé comme ça. Genre là, c'est ultra flippant. Oh putain. Ah bah on voit qu'on est aux États-Unis. Il y a une arme qui traîne sur les escaliers. Mode dévisé. Oui, non, mais ça, j'avais vu. Pas déconner non plus. Maintenez enfoncé pour boire! C'est la bibine! Oh oui! Allez! Sachez que l'effet apaisant de l'alcool est que temporaire. C'est pas grave, j'en prends 3. Et ça, ce sera 3 fois plus temporaire. Ouh! Vas-y, il paraît que le meilleur moyen de dessouler, c'est de reprendre. Ah! Je me sens bien là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Bim. Ça se trouve, j'ai tiré sur un mec qu'il fallait pas. T'es peut-être gentil, lui. Mais ils sont armés et tout. Ouais, normalement, tirer de loin avec un fusil à pompe, c'est pas forcément efficace, quoi. Bon, attends, il avait une arme, lui, je crois. Brique, mais gaine électrique. Ah, lui, il en avait une là, non? Mitrailleuse, ah nickel. C'est quoi ce bordel? Ça vient d'où ce bruit? Fusil à pompe. Ah oui, c'est là, le 9 mm. Alors lui, il y en a 13. Là, il y en a 2. Ouais, on va prendre ça, forcément. Là, il y a des choses là-dedans. Putain, mais il y a des soins partout dans cette ville. Hop. Ah, bah ça tombe bien, j'en avais besoin. Ah, tu es sur mon autre chaîne, ok. C'est bien qu'en grande quantité et sans modération. Re, Lockpini. Ah, mais c'était donc toi, Lockbot. Ah bah oui, Lock. Forcément. Ça va bien, Lockpini. Alors tiens, on le reconnaît lui avec sa lunette de toilette. Bon bah c'est là qu'il faut que j'aille. Enfin, j'étais content de ressortir de l'hôtel et voilà que j'y rentre quoi. Oui, c'est moi. Le mec il a répondu, il a gueulé. Mais c'est Thomas. L'eau c'est moins cher, oui. Et ça pique. C'est bon l'eau qui pique. Je peux faire un truc avec la... télé de merde. Hop, c'était pas une bonne idée en fait. Faut peut-être pas provoquer ces gens-là en pétant leur télé. Alors, tiens, il y a un monsieur là par terre. C'est pas un de mes copains lui quand même. Allez, me dites pas qu'ils vont tuer le Black, on peut pas. Ah, enquête médico-légale. Ah, super. Ça me... c'est comme dans Still Life en fait. Je vais pouvoir prendre des cheveux et des taches de sang sur les murs et tout. Alors, l'objectif est de trouver des preuves, de déchiffrer les indices et de faire des observations qui font progresser l'enquête. Alors, étudier la preuve. Bah, c'est un mec qui est mort. Rosa, come in. Je suis un enquêteur.
interviewer tous les trois fois que vous avez fait. Commencez par identifier le visage de la victime. Ah, c'est un flic. Homme ou femme? Examiner. Adolescent, femme adulte. Je dirais que c'est un... C'est une femme âgée. Trouver la deuxième preuve en examinant les vêtements de la victime. C'est un jogging, salopette tachée, un uniforme de policier. Des guenilles! Une très mauvaise vue, je crois. Bien maintenant, trouver la dernière preuve en examinant le badge qui est par terre. Ah bah ça, c'est un badge de garde de parking, je crois. Sélectionné. C'est le badge de... Ah, merde. Bon bah, en fait, c'est le numéro 46. Ça, pour une fois, on va pas dire de conneries. Rien qu'avec ça, ils sont censés le... Hein? Des enquêtes random. Alors... Bien numéro 46. Excellent! Si vous êtes satisfait de vos choix, vous pouvez les soumettre à Rosa, sinon poursuivez votre enquête et modifier vos sélections si nécessaire. Non mais je vais refaire en fait. Allez. Alors, c'est un homme adulte. Oui. En uniforme de policier. Voilà, on va le faire bien. Il lui manque une chaussure. Alors, envoyez les preuves. Parfait! Yeah! Non, en fait, parce que je sais que maintenant qu'on a des points si on fait pas trop de conneries. Donc, je vais pas en faire. Là, c'est marrant, ça, tiens. Du coup, on fait vraiment un boulot de flic en plus de faire le boulot de bourrin, quoi. Oh, c'est quoi ça? À cause du déchet? Je crois que j'ai vu une balle dans son dos. Alors, dans cet exemple, examinez bien le corps et cherchez des preuves qui vous aideront à déterminer la cause du décès. Bah. Je dirais que ça, c'est une cause de décès, en fait. La tête, les jambes, le bras, le torse, le cou. Et le torse? Blessure par balle. Brûlure. Coup de couteau, non, c'est une blessure par balle. Orifice de rentrée ou de sortie. Ah, je dirais que ça, c'est l'orifice de sortie. J'en vois. Parfait. Prends ça dans ton enquête. Ça, c'était un flic. Ah, je croyais que tu parlais de moi, pardon. Grosse merde, c'est une femme, homme, genre dame. Je sais pas, de toute façon elle est sur l'auto alors j'arrive pas à voir, ça la débousse. Alors certaines preuves ne peuvent être vues à l'aide de la lampe. Qu'avec l'aide de la lampe UV. Ah, c'est trop bien ça! Je l'ai vue tout à l'heure, elle est où? Non, pas de GPS. En plus, voilà. Oh! Je dirais qu'il s'est branlé avant de mourir. Alors, sans. Et genre, je peux. Ah ouais, trace de sang. Il s'est traîné en fait le mec. Ouais, il s'est traîné avant de crever. Marre de sang, éclaboussure de sang. Trace de sang. La victime a été traînée. La victime a rampé, oui. Parfait. Mais ça y est, je vais intégrer la police. Non mais ça, je trouve ça marrant en fait. De faire les... Je suis pas obligé, je pense, de faire ça. Mais de faire des trucs comme ça, genre, je suis un policier, je trouve ça rigolo. Alors, on va prendre notre lampe UV. Ah, il a dû être peut-être abattu ici. Ah non, même pas, en fait. Ouais! Hey, tu vas prendre un coup de lampe UV dans la gueule. Oh putain, je l'ai déboîté. J'avais complètement oublié que j'avais une arme à feu. Alors, j'avais complètement oublié. Désolé. Gun in... Moi je dis gun in 10-10 ou gun in lolo. Gun in lolo. C'est gagné de là.
Alors j'ai entendu rigoler là. Hein. Ah c'est un... C'est You. Oui. C'est un mec tout nu là. C'est des choses à part là. Bon, il n'y a pas l'air d'y avoir beaucoup de collectibles, même pas du tout. Ah, il y a des télés. On peut pas les prendre. C'est quoi? Qu'est-ce que t'as trouvé? On dirait qu'il est derrière cette porte là en fait. Police! Oh, comme il tremble! C'est là que la boisson, on dirait que c'est pas bon pour lui en fait. Mais arrête de rigoler, putain de merde! Tiens! Ah, tu rigoles moi là, hein? Bim! Hein? Tu rigoles encore? Avec ton vieux slip sale? Hein? Hein? Qui c'est? Mais t'as un string? Mais. Tiens, c'est quoi ça? C'est quoi ce machin là? Je peux pas le prendre. Quoi, c'est pas là par hasard quand même. C'est marrant, ce lieu est totalement miroir d'un lieu qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Ils sont pas fait chier, ils ont juste recyclé les lieux. Alors. Est-ce que je peux rentrer là pour voir, au cas où je pourrais prendre des balles ou des trucs comme ça? Ça m'aiderait. Ah tiens. Oh putain. Bim. Quenouille. Alors, et ça se trouve, je l'ai fait pour rien parce que... Tiens. Oh, des balles! Oui! Mais je peux pas juste ramasser les... Juste les... Ah, mais les deux, donc trois, quoi. Off! Ah, ça s'est mis off! Ah, c'est bizarre, tiens. Chaussettes! Ouais, j'avais plus internet. Ah, bah tout le monde avait plus internet, en fait. C'est noir, n'allez pas vers la lumière. Bon, alors... C'est quoi, ce bruit? Ah, il y a un truc, là! Non? Je peux ouvrir la porte là? Non. Ah, voilà. Bon, du coup, on va prendre mon autre arme. Voilà, il y a plus de... Ah, d'accord, mais en fait... Ah, mais quelle que soit l'arme, j'ai les mêmes munitions, d'accord. Ah, c'est intelligent, ça, comme système. Bah, c'est chiant parce que je m'y attendais pas, mais c'est pas mal. Alors, est-ce que je suis blessé? Non. Mais bon, c'est toujours bon de savoir qu'elles sont là. Bon, en tout cas, c'est bien rempli, hein, cet endroit. Les gens partout. Alors, as-tu des épreuves? Ah! Oh! Oh, putain! Ah, oui! Mais, attends. Je voulais juste récupérer l'autre flingue et garder les balles, je sais pas. Alors, as-tu des épreuves? Interpréter l'éclaboussure de sang. Vos talents d'observateur pourront vous être utiles de plusieurs façons. Certaines situations sont facultatives, mais pour obtenir un maximum de points de mission, elles doivent tout être terminées. Type d'éclaboussure. Motif vers l'extérieur. Bah, je dirais motif vers l'extérieur. Il y a deux motivés. Ah non, intérieur, extérieur, ouais. Aléatoire, en arc, en croix. Bah, vers l'extérieur. La victime a glissé. la victime a glissé. Attends.
Ah putain! Ah, j'avais pas vu ça. Ah, mais c'est pris une balle la victime. Ah, mais c'est. En fait, oui, c'est ça. Elle a... La victime a grimpé à l'étage supérieur. La victime est tombée, je dirais. La victime a marché en rond. La victime est tombée. Parfait! Yeah! Fermez la porte là, je me sens pas bien. Voilà. Comme ça, même s'il y a des gens qui reviennent, bah, je les entendrai. Alors, je peux ouvrir la porte là. Et vas-y avec les poings, mec. Là, je le sens pas l'ascenseur là-haut. Je le sens pas du tout. Là, j'ai entendu un bruit, je me mets là dans un coin. On va attendre. voilà, c'est bon, plus personne. Voilà, tranquille, on est bien. Je peux ouvrir là ou pas? Non. Bon, mais comment c'est possible qu'un lieu comme ça existe en vrai? C'est pas très cohérent ça, monsieur. Bouf. Ah, mais attends. Ah, mais on retrouve les empreintes en fait là-bas. Intéressant. Enfin, je vois pas à quoi ça va nous servir de suivre les empreintes du flic, mais. Alors, j'ai pas le droit d'un. Oh putain! Ah! Oh! Le headshot! Ça a fait sprouch! Fou, mais même la musique s'y met, quoi. J'adore voir les tags dans les lieux perdus comme ça. Mais oui, les tags, à la limite, tu vois, c'est pas... C'est pas improbable, justement, parce qu'il y a plein de gens bizarres, mais... des lieux comme ça, dans la vraie vie, ça n'existe pas. Des lieux tellement... tellement détruit que c'est dangereux, quoi. Couchez. Tiens. Bon, j'ai essayé de lui massacrer les boules, ça va marcher. Mais... Ah oui, c'est vrai, quand il y a ce petit appareil qui apparaît. Dada. J'ai pas dit à Dada. Toujours regarder à droite, à gauche, avant de traverser les gaines d'ascenseur. Et oui, c'est ce que dit le lapin des gaines d'ascenseur. C'est le lapin rose qui est accroché à l'ascenseur. Ça peut faire très mal. Il peut te faire très mal. Alors. Donc, il y a. Oui, il y a visiblement. Dans ce lieu. Mais je peux pas. Je peux pas repartir! Merde! Bon. Il y a visiblement un. Je sais pas comment ça s'appelle en fait, ces trucs-là. Les trucs qui rendent méchants. Voilà, on va appeler ça comme ça. Hein. On va parler comme si j'avais 8 ans, mais c'est très bien, ça marche aussi. Oh, fusil à pompe? Combien? Bah non. Voilà. Blablabla. Vu. Spooch. Très bien. Fou. Alors, batte de baseball. Ah, je suis fier de mes tirs, là. Et, il a la langue qui ressort. Ah non, c'est son nez. Il a un grand nez. Ah,
Il y a plein de télé, mais je peux pas interagir avec elle ici. Il y a plein de coins qui servent à rien aussi. Je pense que là, on va retrouver le trou où le flic a été balancé, logiquement. D'accord, ouais, c'est là, en fait. Ouais, d'accord, c'est juste à côté de l'ascenseur, forcément. Je l'ai pas vu. Mais tout à l'heure, j'ai vu l'icône. Voilà. Donc, normalement, si je sors mon petit appareil, mon c'est spectromètre, c'est ça? Alors, ça a l'air d'être là-dedans. Oula, je m'approche. Non, c'est peut-être sur les côtés. Non, ça a l'air d'être là-bas. Ah, oui, je chauffe. Ah, mais oui, le voilà. Putain, mec, faut... il a Parkinson, le gars, c'est pas possible. Voilà. Est-ce que je peux y aller en... Non, je peux pas, évidemment. En fait, Manu, je joue juste un médecin contre la toxicomanie un peu sévère. J'essaye de faire passer mon addiction en tuant des hommes à poil. C'est mon médecin généraliste qui m'a dit de m'occuper, alors bah voilà. Comme j'ai pas de console chez moi, je fais comme je peux. Il a de sacrées burnes, le gars. Ouais, mais enfin bon, il est aidé par l'alcool. N'oubliez pas, les enfants. L'alcool, c'est très important pour nous aider. Alors bon, je retrouve plus le chemin maintenant. Ah, là-bas, peut-être. Hop. Alors. C'est là où il y a l'étage de sang? Ils sont où, l'étage de sang? Putain, on dirait qu'il a été tué là, le mec, en fait. Il est où, mon appareil? Lampe UV. Non, lampe UV, j'ai mis. Voilà. D'accord, le flic, il aurait été tué là. Mais je peux enquêter, là, genre? Non? Non, je peux pas... Ouais, manifestement, le flic est mort ici. Voilà, et c'est ce que je disais, en fait, ça sert à rien de le savoir. Oh, une batte. Pour l'instant, c'est pas très utile, mais c'est bon à savoir. Bim! Oh, alors ça, voilà. D'une pierre deux coups, c'est magnifique. Ah! Mais what? Mais genre, il y a du surnaturel ou quoi? On dirait le Gremlins électrique, le truc qui m'attaque, quoi. Pour ceux qui... Putain, mais... Non, mais sa visée est trop moisie. Alors, ça doit pouvoir s'arranger, ça, en faisant des bons scores de fin de mission, je suppose. Mais là, c'est très handicapant, en fait. Alors... Il y a un monsieur mort, là. Ah, il a peut-être explosé avec le labo, en fait. Il a peut-être été... Ah, putain, mitrailleuse! Combien? Oh, 20 balles! Oh, ah oui, je veux... Alors, il y a le monsieur mort ici. Bon, bah, il reste plus grand-chose en fait là. Pose gobelet. Très bien. Oh! C'est quoi ce bruit? Ah non, c'est moi. c'est moi, c'est mon seau, ça va. Tout va bien. My bucket. Je fais le bucket challenge, je me fais peur tout seul. Ouais, on dirait que les traces de sang vont là-bas. Donc non, le flic était mort plus loin. Je sais pas. Je sais pas pourquoi les traces s'arrêtaient là-bas, en plein milieu du couloir. Et là, j'arrive où? Je suis venu ici. Ah d'accord, en fait, ça fait tout le tour. D'accord, très bien. Sauvegarde en cours. Ah. Merde, je peux pas passer, je suis bloqué par des fauteuils. Il
fauteuil très lourd. Alors les traces, elles continuent. Ah, une télé. Alors. I have walked where they walk. I have taken the bum tour. And much of what I have seen can't be fully explained. They appear to be rambling madmen, crazy women, all bent on destruction. But there is a sense of purpose, almost a sense of organization. The violence spirals out of control for the police and fire departments, and here I remain at Ground Zero. Stay tuned to City News for further live on-the-scene reports. I'm Tony Rhodes. Honnêtement, je regarde les flashs d'infos juste parce que ça me rapporte des points, sinon je m'en fous un peu. Hein. Bon, j'ai bien compris, des groupes désorganisés, j'imagine que c'est les gens qui sont en train de m'attraquer depuis tout à l'heure. On va fermer cette porte. Ça marche ? Ouais, ça marche. Ouais, ouais, ils sont en train de se déplacer derrière. Ok, alors. Bonjour, je vous ai entendu. Ah, c'est un gouloum. Ah, mais en fait, ils écoutent les... Ah, d'accord, c'est ça que ça servait. Ils écoutent les flics pour savoir... pour se tenir au jus, en fait. Alors, gouloum, je t'ai vu. Il est passé où, ce con? Bon, allez là-bas... Ah d'accord, on est derrière les sièges en fait. Est-ce que je peux ouvrir ça? Non, bon, voilà, ça au moins c'est fait. What? Tu as l'impression cette peur de te retrouver seul? Bah j'avoue, là, je suis pas tranquille. Le jeu, il est dans mon esprit. Ouah! Ouah, quelques doubles! Putain, je me demandais pourquoi je pouvais pas reculer! Mais tu vas crever, bordel! Y'a un mec derrière! Ouh! Lui, je suis sûr, il imite bien Renault. Hein? Pourquoi? Non, je crois que j'imite mal Renault. Tiens! Oh putain! Oh, t'as plus de tête! Alors. Traces de sang sont parties. Ouf. Je les ai perdues là pour le coup. De toute façon, maintenant. C'est plus très important de les suivre. Oh! Rosa, I've got more evidence here. T'as trouvé un indice? Mais comment ça se fait que le perso du jeu je le voit et pas moi? Mais c'est quoi que t'as vu? Oh là, j'ai trouvé une porte! Je sais pas. Qu'est-ce que... Ah ça? Non. Mais meeting room. Je t'avoue que je sais pas. Je sais pas. T'es sûr que c'est pas derrière la porte? Juste comme ça. Je sais pas. En fait, faut peut-être passer derrière la porte par un autre endroit, vu que si j'arrive pas à l'ouvrir. Parce que là... Ouais, mais c'est... Mais ça fait pitié quand même s'ils ont oublié d'enfermer leur indice dans une pièce et que tu le vois de l'autre côté. Ah, c'est peut-être ça? Non? Ah, ah, c'est ça, le chapeau! C'est une casquette de flic, en fait.
Ah, c'est le casquette du mec de tout à l'heure, casquette de policier. Bah. Oui, casquette de policier. Bah pourquoi je peux pas envoyer à Rosa? Ah, ah putain, la balle. Type de artériel sorti, lacération, matraque, impact. artériel sorti. Bah sorti, non? Sorti? Ouais, c'est la sortie, c'est la sortie de balle. Parfait. Yeah. Ah mais en fait les traces de sang vont là-bas encore. Et là il y a quoi? Oh putain. Il y a des tags. Il y a des tags, c'est pas bon. Coucou. Sauvegarde. Bon, moi je vais aller voir par là-bas. Vite fait, ce qu'il y avait. Vu que les tâches me conduisent là. En fait, non, il n'y a plus de tâche de sang à cet endroit-là. Bonjour? Non. C'est pas ça. Bon. Bah, très bien, on dirait que j'ai trouvé le lieu que je recherchais. J'aime bien quand il court. Il fait comme ça avec sa mitraillette. Regardez! Regardez! Hop. Il sautille en fait. Quand tu vois la carrière du personnage, ça fait bizarre. On ouvre la porte. Ah, oula. Répondre? Mais répondre à quoi? Mais répondre à quoi? J'ai juste vu le vite fait répondre, mais je l'ai pas vu. J'ai pas vu la question. Alors, sauter en bas. Donc. Rosa. I've located Van Horn. Ah, c'est Van Horn, ça? Bon, je sais pas, c'est un peu chaud de le reconnaître. Hein. Alors... My eyes have seen the... Mes yeux ont vu le quoi? Le... La gloire? Ouais, je vois glory, moi, mais... Mes yeux ont vu le gorille. Alors... Il y a... Un pot de nouilles chinoises. Il y a des... C'est quoi, des yeux? Des yeux qui sont dessinés, tout va bien. Ah oui, il y a des yeux partout, j'avais pas vu. Bon bah, Van Horn, alors... Putain, mec, t'as pris cher. Alors, examiner. Bah, je dirais qu'il est chopé un rhume. Déterminer le numéro de la chambre. Est-ce que j'ai le droit de l'ouvrir, la chambre? Ouais. Ah merde, il y a une plaque. Très bien, bon, on va devoir faire un petit tour là-bas. Alors là, c'est la 121. Là, c'est la sortie. Dire que c'est la... Mais... Ah! Alors, 119 alors. Bah non. Premier étage, le mec il se fait pas chier. Bah c'est au premier étage. Bon, l'autre c'était la 121, donc c'est, elle c'est forcément la 119. Parfait, bim! Mais la porte. Parce que sinon il va choper froid, hein. Il a un petit peu à l'air le mec. Alors... Ah mais même il est dessiné dans un œil, j'avais pas vu. Étudiez la preuve. Photographiez le corps de la victime. Pour prendre une photo numérique, vous devez d'abord vous positionner correctement. Ah mais attends, mais moi non, mais je suis un très bon photographe.
photo. Voilà. Attends, attends, attends. Alors, regardez, normalement, pour prendre les bonnes photos, alors on va le mettre sur ce côté, comme ça. Voilà, là, c'est parfait, on dirait une pochette de film. Ouais, c'est bien. Ouais, mais non, c'est flou, putain. Petit contre-plongée, normalement, c'est bien la classe, mais là, je peux pas. Alors, faire la mise au point. Ça, c'est marrant. Alors, photographier. Eh, hey, parfait! À présent, gros plan de son visage. Attention, screamer. Alors, étudier preuve. Il n'y a pas un zoom sur leur truc? Parce que je peux juste faire une mise au point. Photographier. Non. Chest area. Got it. Sending it to you now. Copy that. Be careful, Ethan. I hear it's getting pretty crazy out there. Have the lab ready. Nobody is to examine the body until it has been removed. Is that understood? Good. I'll see to our other problem personally. Ah, le flic, il parle comme si c'était le méchant du jeu, quoi. Il y a une voix de badass de ouf. Et oh, c'est pas les photos que j'ai envoyées, hein, je les reconnais. Ah, mystère. Alors, ah, intéressant ça. Niveau argent. Mais putain, c'est de la merde. J'ai fait ce que je pouvais là. La peau détruite. Oh, il me manquait un labo. Bordel. J'ai pas oublié celui-là. J'ai fouillé partout pourtant. Reportage 2 sur 4. Ah, des télés. Je les ai pas vus non plus. Réaction du joueur 4 sur 5, je sais pas ce que c'est. Classement de l'enquêteur. Parfait. Check. Bon, bah, gilet pare-balles offre une bonne protection contre les dégâts par arme à feu. Bah, c'est toujours mieux que rien, hein. Ça se trouve, argent, c'est le pire statut qu'on peut gagner dans le jeu. C'est tout pourri, en fait. Ah, mes copains! Putain, qu'ils s'y foutent. Ah, ils ont embarqué le corps! Faites attention de ne pas laisser tomber, hein. Ça tenait pas bien, hein, de ce que j'ai vu tout à l'heure. Merde, non, non. On a fait tomber le foie, bordel! Oh, putain! Ah, il n'en a rien à foutre de ma gueule, mais sinon, waouh. Ouais, bah, très bien, bien joué les mecs. C'est gentil de penser à moi. Regardez, en train de courir comme deux connards avec leur putain de cadavre. Fuck. Putain, mon personnage, c'est une baraque de ouf. Il a sur lui, genre, je sais pas, 127 kilos de muscles. Exactement. Puis de laisser ici, transmission de la photo. Je voulais une photo de la victime, pas un plat de lasagne. T'aurais pu me faire un bon plan, petite contre-plongée là. Avec un petit filtre sépia, c'est magnifique. Bon! Et j'ai terminé le niveau pile à 23h. Si ça, c'est pas. Art de l'art, en fait. Faire des streams, en fait, c'est de l'art, je pense. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, ce premier épisode. De ce que... Ouais, j'étais pas sûr du tout. Et en fait, non, je suis bien content d'avoir repensé à ce jeu-là pour les lives. Je pense que c'est un jeu parfait. C'est un jeu parfait parce qu'il nous met tout le temps sous tension, en fait. Qu'il est très difficile, en plus. On ressent pas de lassitude avec celui-là. Donc, je pense que... C'était bien. Ah, mais Clax, il est gentil. Ah, Kazan, mais vous êtes des anges. Voilà. C'est quand tu fais Gone Home. Ah, mais Clax, c'est un enculé. C'était nul. Continue, s'il te plaît. Ah, mais à pas aussi. Bon. Merci d'être passé, en tout cas. Des bisous.
des bisous. Et puis bah, la suite de Condemned 2 Bloodshot, voilà, j'avais oublié le sous-titre, demain du coup, et oubliez pas mercredi, avec Klex, Abzu, parce que Klex sera sur le chat parce qu'il aime bien ce jeu. Arrêtez, trop de messages SMS, ça me brûle les yeux. C'est normal, c'est Klex, ça brûle toujours les yeux, c'est son talent, il brille. Voilà, des bisous, chez Michigan, ouais, quand il y aura Véro, promis. Quand il y aura Véro, elle m'aidera. Allez, des bisous à tous, une bonne nuit, et puis merci d'être passé encore une fois, à demain. Week.